Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le bazar du grenier et aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un certain temps déjà c'est une vidéo où je vais vous présenter un petit peu les différents outils que j'utilise pour faire du jeu de rôle euh, puisque donc vous savez normalement le jeu de rôle ça se fait et eh bien tout bêtement avec un MJ qui a un livre des règles ou pas même il peut les inventer les règles s'il en a envie et des joueurs qui écoutent le MJ autour d'une table et tout le reste et eh bien se fait dans l'imagination c'est comme ça que se fait un jeu de rôle. Bon, et des fois il faut des dés aussi pour lancer des dés. Nous, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans Aventure, parce qu'on a commencé comme ça à l'époque, mais derrière, vous l'avez peut-être vu dans les trucs que j'ai fait sur Warhammer, et les trucs que vous allez voir bientôt, et eh bien, euh, qui vont se passer dans le Pays du nous, on utilise une... On est dans une version un petit peu hybride du jeu de rôle, parce qu'en général, on utilise des outils de support visuel. C'est-à-dire, on utilise, on vous montre une carte, notamment, ce qui fait que euh, vous voyez un peu euh, euh, dans quel type de décor on est, euh, euh, où est qu'est-ce Qu'on évolue, etc. Et c'est pratique. Je vous avoue que c'est pratique. Nous, on a fait un choix quand on a commencé à faire du jeu de rôle, c'est de ne pas faire du pur jeu de rôle, un peu comme ce que j'avais pu faire à l'époque avec euh, Lincus dans l'émission de Alpha Cast euh, Table Quest, ou euh, de ce que peut faire euh, par exemple euh, Fibre Tigre dans, dans ses émissions à lui. Eux font du vrai jeu de rôle pur à l'ancienne. Euh, nous, on faisait toujours une espèce de version hybride. Pourquoi Eh bien, pour plusieurs choses, c'est que je me dis toujours que j'essaye de penser le jeu de rôle pour les, euh, pour les, les viewers. Et en fait, c'est vrai que quand tu es un viewer et que tu arrives sur une partie de jeu de rôle, si ton esprit s'évade un petit peu, ou si tout simplement tu arrives en cours de partie et que tu n'étais pas, pas là au moment où le MJ te décrivait... L'endroit, c'est-à-dire s'il te décrit, mais ben là vous êtes dans une forêt, il y a un peu de brume, la nuit est en train de tomber, vous entendez des des, ou, des loups hurler au loin et il y a une atmosphère pesante qui s'installe avec la brume qui monte lentement. Si jamais tu, tu arrives après cette description dans le jeu de rôle en tant que viewer, t'es perdu. Tu sais pas est-ce qu'ils sont dans une forêt, sur une plage, sur le, to le toit d'un immeuble, t'en sais rien. Tu sais même pas si c'est un truc médiéval fantasy, si c'est un truc futuriste, tu ne sais pas. Donc c'est pour ça que pour les viewers, je trouve toujours ça plus agréable en fait d'avoir une espèce de support visuel, euh, d'avoir une carte, c'est bien pratique également pour les scènes de bataille puisque ça permet de visualiser instantanément une qui est près de quoi, quel ennemi il y a, qui c'est le tour de jouer, machin, etc. Mais ça peut être pratique pour plein d'autres choses. Et aujourd'hui, bien justement, dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu les différents outils que j'ai eu le loisir d'utiliser, et certains que j'utilise, et d'autres que je vais utiliser dans des futures parties. Sachant que c'est aussi extrêmement pratique, là, ce que je vous dis, nous on l'utilise pour faire des parties physiques avec tous les jours au même endroit, mais c'est aussi beaucoup des outils qui sont utilisés dans le jeu de rôle à distance, euh, puisque euh, bien... Il y a souvent des gens qui ont envie de faire du JDR avec des gens mais qui ne sont pas à côté physiquement. Du coup, ils font ça par webcam et par micro interposé. Et c'est là où ces outils deviennent aussi extrêmement pratiques. Ça demande évidemment plus de travail. Ça demande aussi plus de discipline. Parce que l'avantage, effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez immédiatement visualiser... Et il y a moins de travail d'imagination, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Il y a moins de travail d'imagination euh, à faire de la part des joueurs. Il y a moins de travail de description à faire de la part du MJ, puisque du coup il y a une partie des décors qui passe dans le visuel. Ça laisse forcément moins la place à faire des trucs complètement féeriques, hein, puisqu'on est limité par les tokens et par les types de décors qu'on peut créer. Et forcément, en tant que MJ, c'est aussi un petit peu plus limitant, parce que ça oblige le jeu de rôle à avoir un aspect un petit peu plus couloir, entre guillemets, euh, puisque... Eh bien, si vos joueurs vous dites subitement pour aucune raison particulière, je veux aller à la plage, dans un vrai jeu de rôle, le MJ est censé dire bon bah oui, ok, vous allez arriver à la plage, il y a rien, il a personne, la plage est vide, c'est l'hiver. Alors que dans un jeu de rôle où vous prévoyez vos cartes, et eh bien forcément ça voudrait sous-entendre que vous avez déjà prévu une carte de plage. Sauf que si vos joueurs vous guaquent et euh, vous, vous font un truc complètement farfelu, que vous n'aviez pas du tout prévu, bah vous n'avez pas euh, la carte sous la main, et là forcément ça devient difficile de la faire à la va-vite, machin, etc. Alors vous pouvez certes, mais ce ne sera pas d'aussi bonne qualité que si vous aviez pris le temps de la préparer avant. Donc c'est vrai que ça vous oblige. À avoir une gestion un petit peu plus orientée, du moins, c'est pas forcément couloir. Vous pouvez prévoir des embranchements dans votre scénario, mais euh, tu dois prévoir la rue 1, la rue 2, la rue 3. Mais si jamais ils te disent on veut passer par les toits et que tu l'as pas prévu, ben, c'est compliqué. Donc, le premier outil euh, que euh, on a utilisé, c'est évidemment, vous le voyez, euh, c'est là que je l'ai mis, c'est Roll20. Euh, Roll20 qui est donc euh, l'outil sur lequel on a fait aventure. Donc, c'est un système assez euh, basique, Roll20. Donc, vous pouvez les joueurs peuvent déplacer. Déplacer leur pion. Vous pouvez attribuer, eh bien, comme pour tous les logiciels, des points de vie, des points. Vous avez différentes stats que vous pouvez attribuer en double cliquant dessus. Vous pouvez noter les trucs. Vous pouvez donner un éclairage dynamique, c'est-à-dire leur donner une vision ou pas. Vous pouvez leur donner une vision de nuit. Donc, vous avez tous les trucs qu'on peut, qu peut trouver dans les, dans les logiciels un petit peu plus complexes. L'avantage, effectivement, c'est celui-là, il est euh, gratuit. Euh, vous, avez, donc, vous pouvez créer des cartes, donc afficher que la carte, afficher que les tokens, afficher que des choses que le MJ peut voir, c'est-à-dire cacher des choses, faire de l'éclairage dynamique c'est à dire vraiment euh, par exemple si vous avez un poteau vous pouvez faire en sorte que les joueurs ne voient pas ce qu'il y a derrière le poteau euh, ou faire en sorte que et eh bien quand il y a une porte les choses, ne se, les choses ne, derrière la porte ne sont pas visibles euh, donc après il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire qui vous obligent à bricoler un petit peu c'est beaucoup du bricolage hein, Roll20 typiquement là vous voyez j'ai mis le dessous qui est flou parce qu'il y a une autre carte qui est dessous si je vais euh, dessous usine bas je l'ai appelé voilà c'est euh, cette euh, non c'est pas celle là si c'est celle là c'est là c'est exactement le truc qu'on avait au dessus euh, pourquoi parce que j'avais prévu que les joueurs peuvent aller au dessus en dessous machin etc donc après évidemment vous pouvez voilà vous pouvez euh, pouvez zoomer voilà, pour, voir, pour voir les tokens de plus près alors je précise que tous ces tokens là c'est des tokens que j'ai fait dessiner c'est pas des tokens qui sont euh, littéralement euh, dans le jeu mais du coup après eh bien vous pouvez faire euh, vous pouvez faire quand même pas mal de choses hein. il ya beaucoup de trucs à faire avec euh, avec ce logiciel mais voilà ça vous demande un petit peu de bricolage parce que le logiciel comme il est forcément limité vu que c'est une page web et eh bien il n'est pas extrêmement abusé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle carte en haut, mettre créer une nouvelle page, voilà, un titled, je clique dessus, euh, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler euh, Prout, voilà, très bien, donc je suis sur ma carte Prout, ça lui donne une taille par défaut avec les tailles qui sont affichées, mais que vous pouvez choisir de désafficher tout simplement en allant euh, sur les réglages, vous pouvez choisir la, la couleur du fond, en général je la mets noire parce que du coup, comme ça, ça permet de ne pas trop voir euh, les bords de la carte, la, la grille, on choisit de ne pas l'afficher, voilà, et donc là, vous avez euh, votre euh, carte en fond. Que vous Voyez qui est noir sur noir, alors forcément vous le voyez un petit peu moins que moi. Et du coup, ensuite par exemple, on peut aller et eh bien dans le menu en haut à droite, euh, dans le deuxième onglet, là on va aller chercher et eh bien des assets. Alors on peut directement taper des cartes, par exemple, si je tape beach, alors pas pour euh, chercher des salopes, hein, mais pour euh, trouver une plage, voilà, on va avoir temple beach. Et eh bien, je, je peux par exemple, alors ah ça, je vois que c'est premium, donc euh, je vais plutôt euh, aller. Euh... J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de plage, donc je vais mettre autre chose, je vais mettre forest, on va mettre quelque chose de plus simple. Est-ce qu'il va me trouver une un truc de forêt gratuit Voilà. Donc il m'a trouvé. Alors non, ça c'est mes trucs à moi. Ça c'est ma librairie. Est-ce qu'il va me trouver des trucs gratuits de forêt From the web. Voilà. Voilà. From the web. Donc là par exemple, je peux faire glisser. Et effectivement, j'ai une carte de forêt euh, qui, est, bon, hein, qui est un peu dégueulasse. Mais forcément, euh, c'est des trucs gratuits. Alors, on va en trouver une autre. Est-ce que j'en trouve une plus jolie Oui, par exemple celle-là. Hop, voilà. Et donc je peux, je peux l'agrandir. Évidemment, sachant que, bah, voilà, vous voyez, hein, c'est des trucs qui sont. Euh, gratuit, donc euh, forcément, euh, c'est pas la qualité du siècle. Euh, puisque, oui, évidemment, donc je vous l'ai dit, si le logiciel est gratuit, euh, ça n'est pas forcément euh, le cas euh, de, des meilleurs éléments. Et pour ça, Roll20, c'est très très bien, c'est que c'est très certainement là où on trouve le meilleur, la, la, la meilleure bibliothèque de choses à acheter. Donc, moi j'ai acheté pas mal de choses hein, sur Roll20, j'ai dû dépenser quelques centaines d'euros quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une carte de forêt. Pour ça, c'est extrêmement simple. Alors, je vais, je vais pas m'emmerder. Honnêtement, vous pouvez faire des cartes de forêt gratuites. J'en ai fait plein les, les deux premières saisons d'aventure, c'était que fait avec que des cartes gratuites. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez des trucs vraiment détaillés, si vous voulez trouver un tronc d'arbre penché sur la gauche, machin, etc., forcément, c'est des trucs qui sont tellement précis que là, il va peut-être falloir devoir les acheter. Alors, c'est pas excessivement cher, par exemple, on va avoir euh, des, des packs de tokens. Alors, typiquement, là, regardez euh, la Jungle Arch Fallen Mask. Voilà, je clique dessus vous allez voir qu'en général tous les packs ils sont à 5 dollars donc c'est pas excessivement cher et dedans vous avez quoi et eh bien là on voit vous avez des cartes de jungle, vous avez des fougères vous avez des rochers de très bonne qualité vous avez des pièges vous avez plein de types de cartes différentes et vous avez tous les trucs qui sont liés parce qu'en général quand un artiste fait quelque chose et eh bien tous les, tous, tous les produits de, de dessin de la gamme de cet artiste se ressemblent un petit peu ce qui permet de faire des maps qui sont visuellement cohérentes parce que des fois on a le problème quand on veut faire une map et qu'on met euh, un, un art fait par un artiste avec un caillou fait par un autre, les deux matchent pas. Alors, c'est pas hyper grave, mais quand tu essayes de faire des trucs un peu classe, ben forcément, ça te saute à l'œil et ça te frustre. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, je vais faire... On va faire une carte de forêt très rapidement. Voilà, je vais taper euh, « Forest euh, », donc dans le moteur de recherche. Euh, donc là, je vois que par exemple, dans ma librairie, j'ai déjà pas mal de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base de forêt. Voilà, je vois par exemple euh, grâce Donc là, on va prendre donc du euh, du gazon, on va l'agrandir un peu. Euh, on peut l'agrandir à Donf, mais ce on, si on veut que ça ait l'air à la bonne échelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire CTRLc, CTRLv, donc juste à côté, CTRLv, voilà. Du coup, on va le dupliquer, on va le, les coller l'un sur l'autre. Alors, on va le faire un petit peu mieux, voilà, tac, voilà, comme ça, on a l'air. Ensuite, on va copier les deux, on fait CTRLc, CTRLv de nouveau, voilà, hop. Et du coup, là, on a donc notre terrain de gazon. Ensuite, je vais taper tree. Alors, je trouve ça, moi, je trouve l'exercice extrêmement intéressant. C'est aussi pour ça que j'adore faire du jeu de rôle, c'est parce que c'est vraiment du, euh, c'est vraiment du, du c'est du design, c'est du level design. Donc, on va taper, on va mettre quelques, on va mettre quelques rochers. Alors, on peut, on peut, on peut le rotater. Hein, on peut le faire, la, on peut leur donner une rotation. Mais voilà, on peut prendre. Sinon, on le fait avec ça. Voilà, on fait une petite rotation. On va mettre quelques, quelques arbres. Sachant que. Oups, alors je me suis trompé. Là, du coup, oui. Sachant que là, vous pouvez, vous pouvez sélectionner euh, le, les, les choses. Là, par exemple, en fait, là, j'ai tout mis, sur le, tout mis sur, le même, sur le même niveau. Mais par exemple, ce que je peux faire, c'est je peux. Alors, ce que je, je, je vais revenir en arrière. Je vais effacer ça, ça et ça. Voilà. Donc là, il n'y a que mon terrain. Je sélectionne mon terrain. Je fais CTRLC. Je vais aller en haut, donc dans Map et Background. Donc voilà. Hop. Je vais coller mon terrain ici, ce qui fait que mon terrain sera en fond. Alors, en quoi c'est important Eh bien, c'est juste la profondeur de chance, parce que des fois, par exemple... Là, je vais revenir là-dessus, donc je vais supprimer ce truc, voilà, vous voyez, là, il y a mon terrain. Et là, maintenant... Je vais poser euh, des rochers, euh, je vais mettre euh, un vieux tronc d'arbre... Euh, je vais poser d'autres rochers, ici, pourquoi pas, alors évidemment, je vais un peu les réduire, histoire de... Euh, je vais leur donner une petite rotation, euh, je vais mettre un arbre là... Euh, je vais mettre un arbre ici, voilà, ici, voilà, au-dessus de l'arbre. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre On va mettre euh, des buissons. On a des buissons ici et oui donc comme je disais c'est vraiment, vraiment du travail de level design c'est vraiment juste ça euh, je pourrais mettre une ombre par exemple là je vais mettre prendre je vais prendre ce truc là et je vais mettre l'ombre alors l'ombre je veux qu'elle soit en dessous du coup je vais faire tout back voilà et donc mon ombre elle passe donc elle passe sous l'arbre vous voyez que si j'ai sélectionné l'ombre je peux même le faire avec euh, avec euh, avec ça vous voyez là par exemple là j'ai un problème c'est que mon buisson euh, il est là, mais mon buisson il est par dessus l'arbre, donc ça me fait chier parce que mon buisson il devrait être sous l'arbre. Donc, alors ou alors je suis intelligent, le truc ça j'aurais dû le prévoir à l'avance. Je sais que je vais d'abord poser les éléments qui sont en bas et finir par les éléments qui sont au dessus, mais des fois doubler un peu. Dans ce cas-là, clic droit. Bac, voilà, où je peux faire aussi l'inverse. Je peux prendre l'arbre qui est juste là, faire clic gauche tout front pour le faire remonter. C'est des calques comme sous Photoshop. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et l'avantage, c'est que après, si par exemple je vais sélectionner, euh, je vais aller dans mes assets, je vais aller prendre un, 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 un PNJ, par exemple. Voilà, hop, Viking, que je vais sélectionner ici. Donc là, vous voyez, là j'ai un joueur que je vais euh, que je vais réduire. Qu'il soit à la taille que je veux, voilà. On va dire que mes joueurs ils feront cette taille dans mon jeu. Et bien là, vous allez voir, vous allez voir que, si je le dé, que si je le déplace, il va être par-dessus l'arbre, donc ça m'emmerde. Du coup, je fais pareil, tout front, et là vous voyez que eh bien, le, euh, le viking maintenant il est euh, sous l'arbre. Alors moi, ça me fait un peu chier parce que je peux pas en tant que GM, je peux pas le sélectionner. Mais si je me mets en tant que joueur, le joueur ne pouvant pas sélectionner euh, les assets, lui ça ne lui pose aucun problème. Il ne pourra sélectionner réellement que le viking. C'est juste que là, moi, comme je suis en GM, forcément, dès que je clique sur, euh, dès que j'essaye de cliquer sur le sur le, le PNJ qui est là, ça forcément me fait sélectionner l'arbre qui est au-dessus. Voilà, donc là, c'est vraiment, j'ai fait ça extrêmement à l'arrache. Le logiciel est assez complet. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile de trouver des choses qui sont Medieval fantasy que euh, des choses qui sont modernes, mais ça, c'est lié à absolument tous les trucs de, de jeu de rôle. Donc, euh, mais c'est assez c'est assez cool et bon c'est gratuit c'est la base c'est la base d'autant plus que alors vous avez aussi un système il y a plusieurs systèmes qui sont déjà inclus vous pouvez lancer des musiques depuis le depuis donc Roll20 depuis l'intérieur donc de, de, de la page Roll20 vous pouvez importer vos propres musiques vous pouvez insiste, vous pouvez importer des, euh, des, des systèmes de jeu. donc pour si vous jouez genre à l'anneau no unique ou à Warhammer vous pouvez importer directement euh, des systèmes de jeu. vous pouvez aussi directement jouer depuis le logiciel avec votre votre webcam euh, dans euh, eh bien dans le dans Roll20 donc ça veut dire que tout c'est vraiment un logiciel qui est pas forcément extrêmement abouti mais qui est vraiment tout en un et euh, ça du coup c'est pour ça que c'est très certainement un des logiciels euh, les plus utilisés et surtout les plus complets parce que comme je vous l'ai dit il y a énormément de tokens que vous pouvez acheter euh, donc à des artistes euh, pour euh, et bien euh, faire des maps relativement euh, complexes avec voilà plein d'outils et puis évidemment après pour le reste ça se joue par exemple si je fais slash r 1 d100 hop il me lance normalement il me lance voilà il me lance le 87 là donc j'ai le résultat euh, qui s'affiche ici sachant que je peux aussi enable euh, 3D dice voilà et maintenant donc là si je fais euh, la même chose la même commande normalement ça va exactement ça va me roll le dé et donc ça le logiciel est déjà intégré pour faire du roll de dé. Donc voilà, ça c'est roll 20, c'est le logiciel de base accessible à tout le monde pour faire du jeu de rôle. On va passer maintenant au niveau au-dessus. Le niveau au-dessus, c'est quoi C'est Foundry. Foundry VTT, c'est le logiciel que j'ai utilisé pour faire ma partie sur, euh, sur Warhammer en compagnie de Magla Atomium et AlphaCast. Euh, Foundry, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, c'est payant pour le GM. Par contre, les joueurs, ils peuvent jouer gratuitement, il n'y a pas besoin d'avoir le logiciel. Ça permet de faire des choses plus complexe et en même temps c'est moins abouti et c'est moins tout en un que peut l'être par exemple euh, un logiciel comme Roll 20. Alors là je vais sélectionner ma partie Warhammer du coup que je vais lancer, euh, sachant que j'ai installé un module Warhammer exprès. Sachant qu'il y a des modules qui sont intégrés. Euh, alors le logiciel est, est full open source, il hein, faut le savoir. Le logiciel est intégralement open source. Donc l'avantage, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites par des fans, euh, par des gens, et donc vous avez énormément de trucs. Par exemple, vous pouvez trouver euh, l'anneau unique ou des trucs qui sont euh, faits sur euh, Donjons et Dragons, qui sont intégralement codés et gratuits et disponibles euh, directement, euh, donc en téléchargeant le logiciel. Alors en quoi c'est bien C'est déjà vous. Effectivement, vous l'avez vu. Donc ça. Ce que je, ce que je fais là, ce que je vous montre là, effectivement, vous voyez, il y a des petites lumières dynamiques, machin, on est la nuit. Je vais passer deux jours pour que ce soit plus simple. Donc là, hop, on va faire... Le jour va se lever, voilà. Voilà, donc là, voilà, c'est un peu plus clair. Parce que sachant que moi, j'ai mis un ton un petit peu bleuté sur ma carte pour faire genre que c'est de nuit. Euh, je vais par exemple aller sur une autre... Euh, sur une autre carte. On va aller sur... Euh, sur celle-là qu'on a déjà vu. J'essaie de pas spoiler un truc qu'on n'aurait pas vu. Voilà. L'appareil, hein. hop, vous voyez, donc là c'est, on peut, en fait on peut gérer les choses de manière un petit peu plus profonde, donc là, on peut gérer la, la nuit, on peut avoir les éclairages de base, là vous voyez c'est moi qui ai choisi de placer les éclairages, euh, vous pouvez également choisir des bruitages, typiquement, alors je vais mettre le casque, voilà, on va mettre la place du marché, voilà, bon, bref. Donc, je vais me mettre sur ce truc de base. Et donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'effectivement, un, pour les lumières, vous pouvez placer les lumières, ce qui, euh, du coup, euh, vous permet de mettre des, des trucs de torche vous faire, vous faire des endroits illuminés, d'autres noms, etc. Vous pouvez aussi placer des sons. Par exemple, là, si je vais sur l'onglet sons, on voit que là, il y a différents sons. Et là, on veut vraiment, plus, on, plus on, on avance dans les logiciels, plus on se rapproche du jeu vidéo. Et là, on est quasiment déjà à deux doigts du jeu vidéo. Quand on se rapproche de. Quand on est dans ce logiciel, par exemple, on voit que j'ai mis des sons ici qui sont un petit peu localisés. Ce qui fait que si je suis un joueur, par exemple je vais sélectionner ce joueur qui est là. Donc là vous avez vu j'ai mis une musique de Zelda. Sa musique, cette musique de Zelda elle est jouée par l'orchestre qui est ici. Ça n'a aucun sens, hein, c'est pas grave. Là on voit d'ailleurs qu'il y a des cochons, parce qu'il y a des bruits de cochons. Si je regarde ici, il y a des bruits de cochons qui sont, qui sont par là, des bruits d'animaux. Donc je vais revenir là. Je vais faire se déplacer ce joueur. Et en fait en fonction de l'endroit où il sera on va entendre les sons s'activer par exemple là je vois que c'est quoi que, comme son que j'ai mis là je vois que c'est des gens qui discutent donc là s'il est dans le s'il est dans le à, pro, à proximité de ces gens qui discutent il va les entendre alors que s'il est loin, eh bien, il ne les entendra pas. Donc déjà, il y a cette gestion son et lumière euh, qui existe, euh, partiellement, du moins pour la version lumière sur all 20 mais le son, euh, je ne crois pas, enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, je ne crois pas que ça existe. Maintenant, euh, le vrai avantage, comme je vous l'ai dit, c'est les modules créés par les gens. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais... Euh, là, moi, j'ai utilisé un module Warhammer, qui est un module payant, pour le coup, parce que Warhammer, c'est Game Workshop, ils ont fait leur propre module, ils ont développé leur propre truc. C'est que je vais prendre ces deux joueurs qui sont là, je vais aller dans l'onglet euh, dans l'onglet euh, combat. Alors attendez, c'est de par là. Voilà, combat qui est là. Je vais déclencher une rencontre. Donc on va, faire, on va mettre ces deux personnages en combat. Voilà. Vous avez les deux personnages qui apparaissent ici, qui sont en combat. On va tirer l'initiative. Voilà, on voit que c'est le personnage de Alfarion euh, qui donc a une meilleure initiative que le personnage de Albor. Donc il a le premier a fait 51, le deuxième, le deuxième il a fait 32. Donc c'est à lui de jouer. Et là maintenant. Eh bien, là où c'est chouette, parce que des fois, vous le savez, les jeux de rôle, c'est extrêmement compliqué, c'est énormément de règles, et le MJ ne peut pas se souvenir de tout, c'est pas humainement possible. Donc, eh bien, avec logic un logiciel comme Foundry... Le, jeu, le logiciel va vous mâcher le travail et ça, mon Dieu, c'est agréable parce que le MJ, des fois, il a juste envie de se concentrer sur euh, rendre son histoire agréable, il a envie de se concentrer sur euh, le scénario, l'ambiance, euh, sur, sur, sur quoi poser et il n'a pas envie de se faire chier à aller chercher dans les livres des règles pour savoir si, euh, putain, euh, est-ce que ça compte comme un critique, est-ce que j'ai pris en compte le poids, euh, le poids de l'inventaire que tu avais sur toi, machin, etc. Et du coup, eh bien, Foundry va vous mâcher le travail euh, grâce au module. Si je double-clique sur les personnages, je vois que, eh bien, il y a la fiche de personnage qui est directement intégrée au jeu. C'est le cas sur ce module, mais c'est également le cas sur des modules comme Donjons et Dragons. Ça existe. Hein. Il y a, il y a, comme je vous, vous l'ai dit, il y a plein de jeux qui sont déjà intégrés à Foundry. Eh bien, j'ai tout qui est intégré. J'ai euh, Pour les gens qui connaissent Warhammer, j'ai euh, les, les, les compétences générales, les compétences particulières, les talents, les trucs de combat avec les armes, les dégâts qui sont déjà intégrés, euh, les effets. Tout ça est intégré également. Dans toutes les armes sont déjà intégrées dans le logiciel toutes les, 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 les potions de soins les poisons les, les effets secondaires les dégâts des critiques tout ça est déjà intégré dans le logiciel et eh bien moi j'ai juste du coup à décrire le combat et en tant que MJ, c'est vraiment un vrai soulagement euh, puisque au moins je suis sûr de ne rien oublier. On évite le phénomène à... ah oui mais pendant le combat en fait tu m'as compté un dégât alors qu'en fait j'avais une armure de cuir qui aurait dû prendre en compte et si on l'avait pris en compte et eh ben en fait j'aurais gardé j'aurais pas eu une blessure critique machin etc. Là au moins il n'y a plus ça et donc c'est vachement agréable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un combat entre les deux personnages. Je vais mettre les deux personnages en combat. Je vais tirer l'initiative. Je vois que Alfarion est devant. Je fais commencer le combat. Donc je sélectionne le personnage de Albor. Je double-clic euh, sur euh, ma fiche de personnage. Je vais aller chercher ma compétence de dag. Je vais ensuite faire charge. Je vais lancer. Voilà, ça lance. J'ai fait 98. C'est donc une... Euh... C'est donc quasiment un échec. Non, c'est pas un échec critique dans Warhammer peut-être. Donc je vais considérer. On va pas faire de. Voilà, on va pas faire de trucs. On va mettre que que Albor a gagné. Euh, du coup, euh, là, je fais clic droit. Je fais appliquer les dégâts. Albor gagne contre Alpharion par 3 dégâts. Alors le truc c'est qu'il avait pas d'arme piquée. Donc là, il me dit qu'il y a pas. Il me dit aucune valeur de dégâts machin etc. Automatiquement, il vous euh, compare les compétences entre les deux personnages. Il vous euh, dit les dégâts. Euh, il vous euh, dit où est-ce que vous avez tapé le bras gauche. Il vous dit que c'est un échec. Hein. Du coup, même pas, pas besoin de regarder la fiche de personnage c'est marqué échec tout bêtement il vous affiche également euh, les effets par exemple là je sais que le personnage de alfarion il est plus grand que le personnage de albor donc on voit c'est marqué ici marqué que Alpharion provoque Fear à Albor. Quand je clique sur les effets, là vous voyez il y a un petit, un petit bonhomme qui s'est mis à côté du personnage de, de Albor, et eh bien ça applique automatiquement les effets. Que vous êtes sous le coup de la peur, vous subissez moins un degré de réussite, etc. Et donc tous ces débuffs sont automatiquement appliqués sur les G. C'est si bien pour les personnages parce que typiquement euh, si vous êtes un joueur que vous n'avez pas spécialement l'habitude, vous ne maîtrisez pas complètement votre perso, que vous ne connaissez pas le livre d'Eric Parker, et eh bien effectivement euh, vous pouvez juste cliquer euh, sur, euh, sur une compétence. Voilà, j'ai fait clic droit sur commandement et vous avez la le description qui vous dit bah, il s'agit d'une compétence qui est d'une indication capacité machin etc. Donc tout est relié comme des petites fiches Excel c'est vraiment extrêmement pratique euh, vous l'avez vu ça permet également euh, du coup euh, de faire euh, des... Euh, donc, euh, parce que là ce que je vous ai montré pour les personnages ça marche aussi pour les, pour les PNJ hein. C'est-à-dire que tous les PNJ, et ça c'est cool, tous les PNJ ont leur fiche de personnage. Par exemple, là, c'est là cette vieille femme, elle a sa fiche de personnage. Alors, j'ai pas spécialement de... de je l'aurais pas mis de stade particulier, hein. J'ai fait des générations de fiches aléatoires parce qu'on s'en fout, c'est des PNJ qui sont pas censés se battre. Mais si jamais vous avez un joueur qui pète un plomb et qui décide d'attaquer un PNJ, votre PNJ, il a sa fiche de personnage propre à lui. Et ça, c'est quand même vachement bien. Alors, ce logiciel est super. Ce logiciel est vraiment très très bien. Ça vous permet également euh, de mettre des murs là, typiquement là par exemple ça c'est des murs infranchissables. Les joueurs ne peuvent pas passer par dessus. C'est-à-dire que si je prends euh, ce joueur là que j'essaye de le déplacer par là, vous voyez, il peut pas, il peut pas y aller, il est bloqué. Euh, là, je ne peux pas aller plus à gauche que ça. Donc ça permet, euh, de mettre, euh, ça permet de mettre des murs, ça permet de mettre des bordures, ça permet de mettre à la fois des murs où tu ne vois pas derrière, et des murs où tu vois derrière. Il y a plusieurs types de murs, parce que vous avez euh, donc euh, les murs simples, vous avez les murs de terrain, vous avez euh, les murs invisibles, vous avez les portes également. Je vais, par exemple, je vais aller euh, sur un autre truc. Donc là, si je prends euh, ce, ce truc, vous voyez, ici, il y a des portes. Donc je vais sélectionner euh, ce personnage. Et là, vous voyez, je, vois... je ne peux pas aller ici. Je ne peux pas aller là, si j'appuie je, si je, si je, si je, si je, sur avant, sur en haut, je ne peux pas aller là, je suis bloqué, mais, comme c'est une fenêtre, je peux voir ce qu'il y a derrière, et vous avez vu que, eh bien, il y a le, le, la vue qui se rafraîchit en temps réel, et à l'inverse, vous pouvez mettre des systèmes de portes, donc là je suis devant cette porte, si j'ouvre cette porte, eh bien je vois qu'il y a quelque chose derrière, et si je referme cette porte, eh bien euh, je continue à voir, le truc est grisé, donc il ne se remet plus à jour, mais le joueur évidemment se souvient qu'il y avait un couloir, donc le truc reste affiché. Donc c'est extrêmement complet, mais, 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 ça n'est pas fait pour faire des cartes. Ce n'est pas un logiciel qui est fait pour faire des cartes, c'est un logiciel qui est fait pour jouer. Donc euh, c'est très très bien pour jouer. C'est très bien une fois que vous avez vos cartes. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, là, par exemple, voilà, eux, lui, il était censé pouvoir se battre. C'est pour ça que lui, je lui avait fait une fiche, de, une fiche complète. Donc il a toutes ses stats. C'est un PNJ. Il est level 2, il est marin, euh, il, a, il a une arme improvisée. Il a des, des effets. Sur lui, il a un équipement. Il a, des, il a une veste en cuir qui lui donne des bonus. Il a des bandages sur lui. Donc ça veut dire que là, si les personnages ont envie de faire du pickpocket, ils peuvent lui piquer des choses. Il y a des choses qui sont déjà prévues machin etc. Donc c'est très très bien pour jouer, c'est beaucoup plus complet que ne peut l'être Roll 20. Pour le MJ c'est vachement mieux, mais ça n'est pas fait pour faire des cartes et c'est pour ça que ce logiciel doit être utilisé en concordance avec un autre logiciel qui s'appelle lui Dungeon Draft. Alors Dungeon Draft qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un logiciel qui est spécialisé pour faire des cartes. Vous ne pouvez faire avec que des cartes. C'est vraiment fait pour faire des cartes et c'est extrêmement complet. C'est certainement le logiciel le plus complet pour faire des cartes, sachant que vous pouvez aussi pareil. Acheter, alors vous trouvez des choses gratuites, mais vous aussi vous pouvez aussi acheter des dessins à des artistes ou des du moins des tokens à des artistes qui ont fait des choses un petit peu plus aboutir. Hein. Je vais créer une carte à partir de zéro. Alors on va faire une, une toute petite carte, on va faire une detail sur detail. Voilà, hop, donc ça fait 10 sur 10. Donc elle a 10 carreaux sur 10 carreaux. Euh, je vais sélectionner, donc là je peux sélectionner tous les trucs que je veux. Alors moi j'ai énormément, énormément, énormément d'assets différents que j'ai euh, acheté euh, puisque et eh bien j'ai j'ai acheté beaucoup, <laughs> j'ai dépensé beaucoup d'argent euh, pour faire des cartes. Voilà, on va créer. Maintenant, ensuite, vous avez tous vos assets qui se chargent. Et ensuite, vous allez pouvoir euh, faire votre carte. Et là, vraiment, on est purement dans du level design. C'est une, une des parties que j'adore. Moi, dans le JDR, c'est vraiment une des parties que j'adore, c'est cette partie création de cartes. Puisque c'est là où vous allez devoir... Bah en fait, votre jeu de rôle, il commence ici, puisque ce que vous faites sur votre carte, c'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin de décrire après. Alors, si, vous pouvez le décrire pour augmenter, pour améliorer l'ambiance, mais euh, derrière, grâce à la musique, c'est pour ça qu'il faut penser en termes de, terme de, de, de JDR, de musique, d'ambiance, etc., grâce à la musique que vous allez poser, à la, à la voix que vous allez poser à la, au timbre de votre voix, etc et eh bien vous allez pouvoir renforcer l'effet que, euh, que vous avez voulu créer pendant que vous faisiez votre carte. Alors donc voilà alors bon là où, et là effectivement le jeu est enfin euh, le jeu, non ça je dis le jeu mais en fait oui, c'est quasiment un jeu. On fait une toute petite carte, là, c'est vraiment une carte minuscule. Euh, je vais prendre un peu de gravier, je vais mettre un petit peu de gravier, Voilà hop, on va faire un petit chemin comme ça, un petit chemin ici qui passe là. Alors, on, évidemment, vous pouvez donner, vous pouvez euh, augmenter euh, la, la taille de, 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 de vos machins. Vous pouvez, par exemple, on va mettre un petit peu de neige aussi. Voyez, on va mettre un petit peu de neige. On va augmenter la taille du pinceau, on va augmenter l'intensité un petit peu. Voilà, un petit peu de neige ici, un petit peu de neige sur, le long du chemin. Pourquoi pas Voilà, ici un petit peu de neige. On va faire, on va dire, on va faire une, une carte un petit peu enneigée. Alors là, j'ai un petit peu trop mis du coup. Attendez, on va remettre un petit peu de gravier. Voilà, un petit peu de gravier ici. Et on va mettre, pourquoi pas, euh, un petit peu de moins d'intensité, mais on va mettre un petit peu de terre. Voilà, un petit peu de terre. Voilà, ici, ici. On va diminuer la taille du, la taille du pinceau. Euh, et j'aime pas trop cette terre-là. Alors, je vais, prendre une, je vais prendre autre chose. Euh, je vais prendre euh, peut-être euh, euh, plus. Alors, est-ce que, est que je mets du sable Non, j'aime pas ce sable-là. Euh, je vais peut-être plus aller chercher. Euh, voyons, qu'est-ce qui, qu qui irait bien euh, de la neige un petit peu sale genre euh, Attends, non pas ça non ça c'était nul euh, en plus là j'ai viré le truc que j'avais avant donc c'était mieux comme ça je vais rajouter voilà je vais je peux bon je peux tout compléter bon là évidemment j'ai fait n'importe quoi je voulais pas faire ça du tout Annuler. de la mousse ouais voilà un petit peu de mousse euh, bon évidemment c'est n'importe quoi la ma carte je fais absolument n'importe quoi euh, c'est juste pour vous montrer à la va-vite, euh, ce que vous pouvez faire. Pourquoi pas, tu as un petit peu de ça avec de la neige, du sable, ça ne veut absolument rien dire. On s'en fout. Bref, tout ça, c'est pour vous montrer juste ce que vous pouvez faire. Et derrière, bien sûr, vous avez différents objets que vous allez pouvoir placer. Euh, donc, et, euh, et euh, placer avec différents types de dessins. Par exemple, on va dire je vais mettre, euh, je vais mettre euh, des trucs ici. Voilà, je vais mettre un, un petit peu euh, de, de mousse. Pourquoi pas pourquoi pas, je pourrais même mettre un truc dans, dans le coin là, je pourrais le, le réduire en taille. Attendez, euh, on va diminuer la taille, voilà, je vais mettre juste, juste dans le coin parce que je trouve ça joli, pourquoi pas. Mettre de la paille, on va augmenter la taille, la taille de la paille de la paille qui est là, voilà, hop hop, le long de mon chemin là. Euh, on va mettre. Euh, euh, bah, je sais même pas ce que c'est en vrai. On va mettre euh, des bois, parce que j'ai envie de dire, bon bah, il euh, y, y a des bois. Et ce que je vais faire, c'est que les bois, j'ai envie de les mettre un petit peu au-dessus, comme si c'était au-dessus des joueurs. Donc, là, je vais créer un, un level supplémentaire. Voilà, je vais l'appeler euh, euh, dessus. Voilà, petite tape dessus. Et là, du coup, eh bien, vous voyez, je ne vois plus, euh, je ne vois plus ce qu'il y a là. Alors, ce que je vais faire, c'est que il faut que je compare les levels. Voilà, ici et là, je vois un petit peu les deux en euh, transparence. Donc, je vais repartir là-dessus. Là, je suis sur quoi Je suis sur, euh, je suis dessus ou je suis dessous Non, voilà, là, je suis dessus. Donc, je, si je mets ça là et euh, on va dire, euh, allez, euh, j'en prends un autre. Là, bah, je prends celui-là. Je prends ça, ça et ça. Et eh bien, du coup, là, ça, ça sera au-dessus. Et ça, ça sera en dessous. C'est pour ça que là, on ne le voit pas. Mais le ma la map est là quand je l'exporterai. Bref, vous avez compris. C'est quelque chose qui est vraiment pour faire des cartes. Il y a énormément, énormément, énormément de, 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 de tokens dessus. Mais vraiment, genre, énormément. Quand je dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Regardez vraiment ce qu'il y a. J'ai des tapis en veux en voilà. Attendez, je vais bouger ma caméra parce que je suis devant. Mais juste pour vous montrer, ça, tout ça, c'est rien que des tapis. Euh, dans Fontaine, je vais avoir tout ça. Euh, là, c'est des tombes. Là, c'est des, euh, des éclairages avec des torches. Euh, ça, ce sont des, des mécanismes, euh, des, des objets en métal, des champignons. En veux-tu, en voilà. Et ça, et, ça, et ça, pour le coup, ça, c'est des objets gratuits, hein, ce que je suis en train de vous montrer. Des, des plantes. Alors, je peux réduire leur taille, évidemment. Euh, je peux les, 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 je peux les, les scatter, par exemple. C'est-à-dire, je vais, euh, par exemple, je vais prendre, euh, je ne sais pas moi, ça là, je vais les réduire, euh, je vais les réduire à fond. Voilà, je vais les spread, je vais les réduire. Et si je fais ça, vous voyez ça les spam et ça change la rotation à chaque fois comme ça si vous voulez faire ça avec des fleurs par exemple eh bien vous pouvez euh, faire des cartes plus rapidement ça permet de faire des cartes qui sont vraiment extrêmement complètes et extrêmement abouties sachant que eh bien comme je vous l'ai dit vous pouvez également acheter des tokens ça, ça c'est les tokens de base que j'ai utilisé mais par exemple il y a des tokens qui sont un petit peu plus euh, un petit peu plus détaillés mais, tiens, des chaises. Voilà, on va dire des chaises là vous voyez si je vous montre ça, vous voyez que la chaise, elle est quand même beaucoup plus détaillée que les autres machins que j'utilisais. J'ai des trucs qui sont aussi beaucoup plus. Voilà, alors que ça, par exemple, si j'utilise des trucs comme ça, on voit que c'est. Vous voyez bien que le style de dessin, il est quand même complètement différent. Il y en a un qui fait très crayonné et l'autre qui est beaucoup plus réaliste entre guillemets. Donc voilà, après, ça c'est à vous de choisir euh, ce que vous voulez faire. Donc ça s'appelle Dungeon Draft. Et ensuite, ces cartes, et eh bien, vous pouvez les sortir. Vous pouvez même mettre les murs sur Dungeon Draft. Vous pouvez mettre les éclairages. J'ai envie de faire en sorte que, que par exemple, par exemple, il y a une lumière qui vient d'en bas, je vais, voilà, diminuer la, la portée un petit peu, et là vous voyez, c'est vrai comme s'il y avait une lumière qui venait d'en bas. Et donc vous avez tout un, de, tout un tas de trucs que vous pouvez faire, voilà, comme s'il y avait de la lumière qui venait là, vous pouvez mettre des, des, comme si c'était des spots, euh, vous pouvez également changer l'ambiance, changer l'ambiance générale, par exemple je, je vais faire comme si c'était de nuit, donc je vais mettre un petit peu plus du bleu, bref. Donc, vous pouvez faire vraiment des cartes extrêmement abouties. Toutes les cartes que j'ai fait, et j'ai fait des cartes, franchement, semble à péter, j'ai fait vraiment des cartes qui ont de la gueule. Typiquement, cette carte-là, euh, qui est du coup intégralement faite sur Dungeon Draft, où, euh, vous voyez, j'ai vraiment mis euh, les, euh, des, des, des trucs pour montrer qu'il y a de la mousse, que le, le truc sont un peu de sale qualité. C'est dans les détails, en fait. C'est les détails qui vont donner l'ambiance à une carte. Et si le MJ ne peut pas décrire en permanence tous les détails, parce qu'imaginez, là, je voudrais décrire cette carte. En termes de jeu de rôle classique, je dirais, bah, vous arrivez dans un truc un peu glauque. Il y a des, il y a des, des reflets rosés qui, euh, qui, qui viennent de la part des lanternes, qui, sont, qui, qui ont des, 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 des reflets un peu rougeâtres. Euh, il y a des gens dans la rue. Euh, vous voyez des filles de joie qui discutent avec des, des, des hommes, des, des vieillards. Euh, il y a les toits sont partiellement effondrés sur les côtés, ce qui donne un aspect vraiment particulièrement glauque. Il y a un cheval qui est en train de, broutonner, de, de brouter une petite feuille de papier. Euh, des videurs, quelqu'un qui fait la manche, des gens qui discutent. Euh, ça, ça prendrait quand même pas mal de temps à décrire. Hein, on va pas se le cacher. Alors que là, j'ai fait une belle carte. J'ai posé l'ambiance. Donc l'ambiance, elle est là. J'ai pas besoin de tout décrire. J'ai juste besoin de dire vous arrivez dans quelque chose de glauque. Je fais une description de base quand j'arrive sur cette carte. Et le reste, eh bien, c'est là. Voilà, le fait qu'il y ait une flaque, le fait que les toits soient cassés, le fait qu'il qu y ait une lumière euh, globalement euh, rougeâtre, euh, qui ait quand même des choses allumées, qui ait des gens dans la rue, qui ait des gardes qui discutent avec une, euh, avec une prostituée. Tout ça, eh bien, ça permet donc de libérer de l'esprit pour le MJ. Et Dieu sait que les MJ en ont besoin. Donc voilà, donc ça, c'est Dungeon Draft et Foundry, deux logiciels qui fonctionnent relativement bien ensemble, euh, que je vous conseille si vous voulez aller au stade au-dessus. Cela dit, si vous n'êtes pas intéressé par faire des cartes, parce que ça peut être le cas, parce que faire des cartes, ah bah c'est long, euh, il y a une solution magique euh, que je vais vous montrer maintenant. C'est... Payant, par contre, c'est sur Steam, ça s'appelle Dungeon Alchimist. Alors je le lance tout de suite, c'est quelque chose qui va vous générer des cartes automatiquement, alors dans un style unique par contre, ça sera toujours de la 3D, mais euh, du coup ça va vous faire des cartes automatiquement, alors c'est limité encore parce que le truc est en alpha, et euh, le machin est en alpha pour l'instant, mais par contre c'est vraiment super impressionnant, l'outil est vraiment ouf, et pour un MJ... C'est juste, euh, c'est béni. Donc voilà, vous êtes un MJ, euh, vous vous dites, j'aimerais bien une taverne, et je voudrais que cette taverne elle soit à côté d'un cimetière, et que euh, ça soit sur une plaine, euh, et que ça soit la nuit. Vous pouvez le faire. Dans, typiquement, dans Dungeon Draft ou dans Roll20, vous pourriez le faire. Dans Roll20, ça va vous prendre beaucoup de temps et, et sûrement le résultat ne sera pas ce que vous voulez. Dans Dungeon Draft, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, mais ça, vous prend, ça va vous prendre 4 heures. Et eh bien, grâce à Dungeon Alchemist, c'est pas une OP. <laughs> c'est pas une OP. Vous pouvez le faire en 5 minutes. Alors, on va faire. Euh, voyons. On va faire File, New Map. On va faire Digital. Donc, ça va être Grassland, oui. Euh, plat. Il n'y a pas d'eau. Parce que j'ai dit que je voulais pas d'eau. Pas de végétation. Créer. Voilà. Donc là déjà, j'ai ma plaine. C'est fait. Donc oui, alors j'ai ma plaine mais j'ai ni mon cimetière ni ma taverne. Bien, allons-y. On va créer donc... Euh, on va se créer donc cette taverne. Donc on va faire ça. On va créer une taverne. Alors je vais, je vais la mettre là. Parce que j'ai envie de la mettre là. Hop. Générer. Ça génère. Voilà votre taverne. Bah ben, voilà. C'est le GG. Alors oui mais j'aime pas. Euh, j'aime pas parce que moi je voudrais. Voyons, je voudrais qu'il y, qu y, qu y ait des chambres. Et là, il n'y a pas de chambre. Ok, pas de problème. Hop. On va rajouter une chambre. C'est pas mal. Euh, je voudrais qu'il y ait euh, des chiottes. Parce que j'aime bien les chiottes. Hop, on va rajouter des chiottes. Voilà, des chiottes. Et puis. Euh... Ah, puis, et puis, et puis, quand même, et puis, oui c'est pas mal là. Mais du coup, on a oublié le cimetière. Euh, ben bah, voyons, bah, écoutez. On va faire euh, crypt. Euh, voyons, ça serait quoi Donc, euh, on, a, on a dit qu'on voulait un cimetière. Euh, Je ne sais même pas. Alors, attendez, j'ai dit cimetière. Oui, voilà, cimetari. Village, cimetari. Il sera là. Hein. On va le mettre à côté. Hein. Voilà. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Ça m'a pris deux secondes. Ça, a, bon, ça m'a pris deux minutes. J'exagère, on va dire trois. Mais vous voyez, et il est en 3D. Et ce logiciel, il est ouf. Ce logiciel est complètement zinzin. Vraiment. Parce que ça, pour un MJ... Surtout quand vous avez des joueurs qui sont en mode euh, « Je vais aller euh, au cimetière pour euh, danser sur les tombes euh, !» Et toi, t'es en mode « oh Non, j'ai pas prévu la carte. » Ça prend deux secondes. C'est vraiment... C'est magique. C'est de, hein. de la magie. Ce logiciel, c'est de la magie noire. Et vous pouvez... Pareil, hein, vous pouvez vraiment... Euh, vous pouvez aller dans... Là, là je vous ai juste montré le truc de base. Mais vous pouvez aller dans tous les détails... Vous pouvez changer les fenêtres, vous pouvez, euh, vous pouvez, tout modifier, changer les trucs. Là, par exemple, j'ai envie de faire une ouverture, j'ai envie de mettre une porte à ma taverne, mettre une arche là, voilà. C'est, de la magie noire. Ce logiciel, c'est de la magie noire. Évidemment, tout ça fonctionne à l'IA. Euh, j'ai envie de le faire, j'ai envie de monter le terrain. Voilà. Ben, hop, on, peut monter, on peut monter, le terrain. J'ai envie, euh, envie de, baisser le terrain. on peut, bon, on peut baisser le terrain. Et vous pouvez... Ah, mais j'ai envie de rajouter... J'ai envie de changer l'éclairage. Pas de problème. Euh, voilà. C'est le soir. J'ai envie de... De le... Le... envie de changer le sol, là. J'aime pas le sol de la taverne. Bah, let's go, allons-y. C'est incroyable. Ce logiciel est incroyable. Le truc, c'est que... Alors, voilà, ça n'est fait que pour faire des cartes. Mais par contre... Et les, et les cartes auront tout cet aspect-là. C'est-à-dire que toutes les cartes, elles auront toujours cet aspect un petit peu euh, 3D. Euh, vous n'avez pas de choix de style, par contre. Effectivement, là, faut, vous ne pouvez pas tout avoir, pas déconner non plus. Mais par contre, tu peux vraiment, voilà, tu peux rajouter... Euh, tu peux rajouter des éléments. Euh, tu peux euh, je vais mettre, euh, mettre un citron euh, là-dedans. Là je vais mettre un oignon sur, un oignon sur la table. Euh, je vais rajouter... un... Euh, je vais rajouter des, des lumières ici. Euh, je vais, je peux, je veux les allumer, je veux les éteindre, euh, je veux leur donner un éclairage particulier. L'éclairage se reflète du coup euh, sur les trucs qui sont là. Pff, moi, ça me, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Et là, le logiciel, il est vraiment, il est en, il est en bêta. C'est tellement, tellement zinzin, ce que ça promet que c'est euh, en vrai euh, tout le monde utilisera que ça. Je veux une jungle. Je veux qu'il y ait de la végétation. Euh, je veux qu'il qu y ait de l'eau. Et euh, Je veux qu'il y ait une rivière. Et je veux que ça soit un peu un ravin. Hop Créer. Voilà. Et vous avez votre truc. C'est un truc de ouf quoi. C'est vraiment... Euh, c'est juste... Euh, c'est juste taré. Et comme c'est procédural, chaque fois que tu recréeras une carte, ça sera jamais la même. Donc là... Et là maintenant, euh, je veux qu'il y ait une crypte Avec une chambre funéraire dans ce machin là. Bah allez, on fait ça. Voilà. Et là, il, il me l'a mis au niveau du euh, voilà. C'est euh, bref, c'est le futur. J'ai rien de plus à rajouter puisque le truc se fait. Vous le voyez, le machin, le machin est sous vos yeux. Là, j'ai créé des toutes petites cartes, mais je pourrais en créer, je pourrais créer vraiment des cartes immenses. Le seul truc, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est fait pour faire des cartes. Et du coup, alors bon, vous avez des animations parce que okay, vous avez aussi les reflets de l'eau, vous avez les, les jeux de lumière, machin, etc. Par contre, effectivement, on ne peut pas jouer dessus. C'est pas un logiciel qui est fait pour jouer. Ce n'est pas un logiciel qui est fait pour jouer, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour faire des cartes. Et ensuite, ces cartes, vous allez toujours les récupérer en vue du dessus, parce que c'est prévu comme ça. Vous pouvez pas les récupérer et ça c'est dommage. C'est que vous pouvez pas récupérer genre, vos, vos cartes en format un peu, euh, en, en format libre. Euh, c'est pas parce que c'est fait pour, être... c'est compatible avec Foundry en fait ce logiciel. Mais pour que ce soit compatible avec Foundry, il faut toujours récupérer les cartes en vue du dessus. Mais par contre, quand vous voulez faire des trucs en vue du dessus, c'est juste fantastique. C'est un outil ultime pour les maîtres du jeu. Et euh, encore là, je vous ai montré seulement 2%, euh, 2 du logiciel. Mais vraiment, ça permet de faire des choses absolument exceptionnelles. Du coup, voilà, vous pouvez passer des murs, vous pouvez faire vos trucs à la main, hein, vous pouvez supprimer des pièces, vous pouvez faire des châteaux, vous pouvez faire des villes. Il y a des gens qui ont fait des villes entières là-dessus. Dernier logiciel, et après, je vous laisse tranquille. C'est un logiciel que nous, on va utiliser euh, dans pas très longtemps. Et ça s'appelle. Tel alors Tel Spire, c'est complètement différent. C'est encore une fois un logiciel payant. C'est sur Steam. Euh, c'est un logiciel qui est tout en un. Euh, donc vous pouvez à la fois jouer et à la fois faire vos cartes dessus. Il est également en alpha. Ce sont des, je crois que c'est des, Scandi des Scandinaves qui bossent dessus. Je vais vous montrer euh, du coup. Euh, une campagne sur laquelle on bosse, là c'est la campagne Sea of Thieves parce que vous savez qu'on est en train de, de, de réfléchir à faire un, un jeu de rôle sur Sea of Thieves Telspire c'est un logiciel encore une fois deux en un avec une esthétique beaucoup plus Lego parce que si on est sur un, on est sur un délire bah, c'est du carré et le truc c'est que vous pouvez jouer, alors c'est pas moche hein, honnêtement c'est juste que tout se fait à base de, de tiles comme ça, donc euh, par exemple là je vais mettre le mode build euh, je vais sélectionner, voilà et si j'ai envie de mettre par exemple, là je vais diminuer attendez, je vais diminuer la caméra pour la, ra la rapprocher du Sol, euh, je vais voilà me mettre ici et puis après bah, c'est parti. Écoutez, euh, j'ai envie de mettre euh, j'ai envie de mettre ça là, j'ai envie de mettre ça là, euh, j'ai envie de mettre euh, du, ici, euh, puis là, euh, puis là, euh, puis voyons euh, j'ai envie de mettre euh, de mettre un escalier euh, un escalier euh, euh, qui va, euh, j'en sais rien, qui va au-dessus. Alors évidemment, je peux, je peux le mettre ou par-dessus, ou à côté, ou je peux le, le, le baisser pour qu'il soit au niveau de, 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 de mon sol là. Et donc, il y a cette esthétique très cubique euh, du coup, mais qui quand même, quand on dézoome, ça permet de faire des trucs de ouf. Et là, je vais vous le montrer pareil. Youp. Et là, vous regardez ce que ça permet de faire. Et c'est juste incroyable. Ça permet de faire des choses extrêmement détaillées. Du coup, vous pouvez, pareil, vous pouvez régler. Je peux monter, euh, je peux monter la flotte si je veux pour inonder. Euh, je peux euh, juste tout mettre, euh, tout mettre à zéro. Euh, je peux en mettre un petit peu. Euh, et donc, pareil, vous avez euh, des, euh, donc des, euh, des, monstres que vous pouvez intégrer. Vous pouvez intégrer directement les joueurs. Et oui, comme je vous disais, l'avantage, c'est que là, du coup, et eh bien, le logiciel, on peut jouer dans le logiciel. Là, typiquement, euh, je vais, voilà, je vais mettre ici, je vais mettre un gros monstre, voilà, ici. Euh... Attendez, pourquoi, pourquoi, pourquoi il est grisé comme ça Pourquoi Attendez. Je vais mettre... Euh, voilà. Ouais, on s'en fout. Ah oui, c'est parce que je suis en build. Ok. Je vais mettre... Je vais enlever le mode build. Voilà. Donc vous avez votre monstre qui est ici. Alors je vais rajouter... Euh, je vais rajouter un, un humain. Voilà. Je vais mettre euh, le, cette espèce de barbare là. Lui, comme c'est un ennemi, je vais le mettre plus gros. Je vais faire cette size. Je vais le mettre en, en, en mouse là. Voilà. Ici. Et après, eh bien, pour le reste, eh bien, vous voyez, effectivement, les joueurs peuvent déplacer leurs pions. Comme du coup, on est sur, des, sur un système de tiles, ça veut dire que eh bien, les joueurs se déplacent de case en case. Et eh bien, vous pouvez, eh, effectivement, jouer comme si c'était dans un jeu de rôle, puisque là, vous pouvez faire drag. Hop, je jette le dé, j'ai fait 33, ça fait 33, c'est affiché. Euh, du coup, euh, par exemple, lui, il va euh, attaquer, lui, on va faire euh, attaque. Voilà, ponk. Et là, vous voyez, les deux pions s'attaquent. Voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, contrairement à Foundry, rien n'est intégré, donc ça vous oblige à connaître par cœur, euh, à connaître les règles sur le bout des doigts. Euh, par contre, effectivement, l'avantage, c'est que c'est en 3D, donc visuellement, c'est vachement beau. Hein, on va pas se le cacher, euh, puisque du coup, ça vous, pour, ça vous il y a même un mode cinématique avec cette espèce de flou là pour, pour zoomer euh, de près. Euh, si vous avez envie de faire euh, des, des des plans, des plans, des plans euh, trop trop classe euh, sur sur les ennemis, ça vous permet de faire, euh, ça vous permet de vous lâcher au niveau des cinématiques. Vous pouvez même créer des cinématiques. C'est-à-dire que quand vos joueurs arrivent à un, certain à un certain endroit de la carte, ça lance automatiquement une cinématique. Et le logiciel est, est pour l'instant en, en alpha également. Du coup, par exemple, alors, y a, tout n'est pas intégré. Euh, par exemple, là, si je prends ce personnage, je vais faire sectionner... Voilà, on va lui faire attaque et on va lui faire lancer un Magic Missile voilà il a, tiré, il a tiré un magic missile vous l'avez vu donc il y a quelques trucs intégrés mais il, le logiciel est en early development euh, donc il n'y a pas par exemple les effets il n'y a pas de notion d'inventaire il a pas de il manque plein de choses mais par contre effectivement le logiciel est très très beau permet de faire des cartes extrêmement grandes extrêmement complètes euh, du coup, avec euh, l'ombre qui est gérée, ça permet, voilà, vous pouvez. Y, y, du coup, vos, vos, vos joueurs peuvent vraiment se dire, on va, on va aller explorer, et vous pouvez vraiment les accompagner. Là, on est quasiment, là, en fait, on est vraiment à deux doigts du jeu vidéo. Là, pour le coup, euh, c'est, on n'est même pas à deux doigts, je dirais qu'on est même à un doigt. Donc, vos, vos, vos joueurs peuvent explorer, et vous pouvez même aussi euh, mettre de la musique, changer le ciel, par exemple. Euh, on va dire, euh, je vais diminuer la luminosité, je vais orienter, voilà, je vais mettre le, le soleil, je vais mettre plus un soleil couchant, euh, plus par là, euh, je vais mettre tiens je vais mettre de la brume je vais diminuer l'exposition mettre un, un, un ciel un peu comme si on était dans un marécage voilà hop et là vous avez vu on a une ambiance verdâtre tout à coup euh, dans notre euh, dans notre euh, dans notre marée enfin, bref donc ça, ça permet de faire vraiment vous voyez là tout de suite c'est plus la même chose donc ça permet de, de faire des cartes qui sont vraiment très très jolies comme je vous l'ai dit alors attendez je vais sortir du mode parce que là je suis quoi je suis euh, voilà. en mode voilà j'étais en mode ah merde, là, du coup j'ai complètement enlevé la lumière. On va remettre un petit peu de lumière quand même parce que là du coup on n'y voit rien du tout. Effectivement. On va, remettre... voilà, on, va dire... on va remettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc là j'ai créé une espèce de marée de nuit. Si vous y voyez quelque chose encore, hop, on va, on va mettre sa lampe, hop hop, torche. Donc voilà, c'est là, on est, voilà, comme je vous ai dit, ça permet donc de faire euh, de faire des choses avec une ambiance vraiment toute particulière. Moi j'aime beaucoup ce logiciel, j'aime beaucoup en fait ce qu'il promet, parce qu'ils il, il, ont promis de faire des trucs de ouf, il va y avoir des gestions d'inventaire, des gestions d'effets, etc. Donc, et ça, surtout, ça permet de faire quelque chose de très visuel et de très, très beau, parce que j'aime beaucoup ce, ce design qui est très proche d'un de, 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 truc à la jeu de plateau. Donc, vraiment, je suis, je suis très, très fan de, de, de ce qu'ils veulent faire avec... Euh, avec ce logiciel, donc je trouve que c'est peut-être le plus prometteur avec Dungeon Alchemist, mais Dungeon Alchemist, j'aimerais bien qu'ils mettent la, no qu'ils puissent permettre de jouer dans le jeu, ça serait super. Donc voilà, bref, c'est un petit peu euh, les outils euh, que j'utilise actuellement, et eh bien euh, pour euh, faire euh, des jeux de rôle. Alors je vais vous montrer, euh, je vais vous montrer une autre carte. Et euh, comme pour euh, les autres trucs, et eh bien il y a des, euh, des fans, euh, des cartes faites par des fans qui sont absolument exceptionnelles. Ça par exemple, ça c'est une carte que j'ai téléchargée euh, chez quelqu'un, que j'ai pas utilisée, mais je veux dire, en fait, à rien qu'avec les cartes Faites par des fans, rien que ça, déjà Là, rega regardez, là c'est juste Un truc fait par, euh, fait par des fans Tu fais toute une partie, là-dessus Tu fais déjà toute une partie, rien que là-dessus Tu mets des monstres, t'as as des passages Et là, les, les joueurs peuvent marcher partout hein. Là, vraiment, si je mets, euh, si je mets euh, Attendez, je vais prendre, je vais prendre le, ce joueur-là Et je vais le mettre euh, Je vais le mettre euh je vais mettre là voilà et là les joueurs peuvent vraiment aller partout en vrai donc les joueurs donc c'est euh, et ça c'est vraiment voilà vous voyez là les joueurs peuvent vraiment aller partout quand ils approchent d'un mur ça soulève automatiquement le décor pour qu'on voit ce qu'il y a derrière il euh, y a un marché il y a des... rien que sur ça tu fais une partie de 4 heures entière sans aucun problème donc c'est vraiment un truc de ouf ce logiciel c'est de la magie noire aussi avec ce qui permet de faire Évidemment, il est un petit peu gourmand là, vous l'entendez pas, mais mon, mon PC est un petit peu en train de souffler parce que forcément, comme c'est une alpha, il n'est pas extrêmement optimisé, tel Spire. Et euh, du coup, bien, euh, c'est euh, également euh, payant, mais euh, pareil, ça permet euh, vraiment euh, de faire des choses exceptionnelles et de jouer avec ce flou là. Vous pouvez faire vraiment des plans très, ciné très cinématographiques euh, qui sont euh, vraiment euh, très très beaux. Bah ben, écoutez, c'est à peu près tout. C'était une vidéo qui était un petit peu longue, je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ben, on fera des jeux de rôle, hein. on travaille dessus pour vous dire où est-ce qu'on en est, c'est qu'on travaille actuellement. Dessus, mais forcément, comme là c'est la reprise, on a plein de choses en parallèle. Il faut qu'on travaille le nouveau JDG. Il y a le programme du bazar qu'il faut recommencer. Euh, il y a euh, le narratif que je suis en train de travailler. Et après tout ça, quand j'aurai du temps après avoir relancé la machine, et eh bien je me remettrai le nez euh, dans euh, les jeux de rôle, euh, puisque du coup j'ai vraiment très très euh, envie d'en faire grâce à tous ces outils super qui permettent de combiner à la fois euh, le jeu de rôle classique et quelque chose de plus. Euh, Uh, viewer friendly Euh, avec euh, donc euh, une petite notion euh, de jeu vidéo que moi j'aime bien personnellement, j'espère pouvoir m'y remettre euh, bientôt, mais en attendant, vous, euh, si vous avez envie de vous mettre euh, dans le jeu de rôle, euh, je rappelle tout simplement encore une fois, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais qu'il existe tout un tas d'outils que je vous ai montré aujourd'hui pour les GM, euh, mais euh, qui peuvent évidemment euh, s'appliquer aux joueurs aussi, et il y a toute une communauté euh, de euh, joueurs de jeux de rôle qui vous attendent sur plein de formes différentes, si vous avez envie de faire du jeu de rôle, que ce soit physique ou en ligne, même si c'est en ligne vous l'avez vu, il y a plein d'outils pour le faire dorénavant. Donc eh bien euh, surtout euh, n'attendez pas puisque le jeu de rôle c'est vraiment un truc trop bien que j'ai beaucoup pratiqué et euh, j'en serais très certainement pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait de jeu de rôle dans ma vie. Voilà, merci à tous, des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous. Ciao.